Revivez l'histoire de Bischwiller du XVIIe siècle et retrouvez-vous au milieu des fifres, des musiciens ambulants et des saltimbanques réunis en confrérie. Aujourd'hui, la fête des fifres reste l'une des manifestations historiques les plus importantes d'Alsace. Mais tout de suite, la parole à Christian II. Bourgeois et gentilhomme de Bischwiller, nous vous nommons et établissons en la fonction de roi des fifres notre représentant chargé de veiller au statut de la confrérie des ménétriers d'Alsace. Merci à vous. Fifres, tambours, joueurs de violon et autres gens de musique, de même que jongleurs et saltimbanques, tous intégrés dans la confrérie des ménétriers de Basse-Alsace. Convoqués à notre bourg, selon les statuts de la confrérie, ils tiendront ici leur assemblée annuelle. Chaque fois, les parents ils veulent se débarrasser de leurs enfants. Ils nous les donnent, ne sachant pas qui on est. En plus, on a des loups. On leur dit qu'on va donner leurs enfants à manger aux loups. Et ils nous donnent leurs enfants sans problème. Et pour ça, mesdames et messieurs, on va les punir très sévèrement. Vous allez assister au baiser de la mort. Chez les rapaces, ces mâles, on les appelle des tiercelets et les femelles des formes. Allez, 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 allez
Yeah.